Bonjour. Donc aujourd'hui, le jour du Vaisak, en Asie du Sud-Est, le jour du don. Et alors, justement, je pensais, en fait, c'est curieux, parce que on aime bien, on est content, enfin, je pense, hein, je dis on, parce que je pense que c'est à peu près tout le monde, on aime bien regarder ce qu'on a, en fait, ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on a, ou bien on va acheter quelque chose de nouveau dont on a eu envie depuis longtemps, ou qu'on vient de voir, et alors on a quelque chose de plus, et y a un contentement, y a une joie dedans. Mais en même temps, je pense que ce contentement, il est un petit peu flou, un petit peu flottant, parce qu'on sait bien qu'on a déjà acheté des tas de fois des choses, qu'on a déjà eu des tas de fois des choses qui nous ont fait extrêmement plaisir, et puis on s'aperçoit que ça n'a pas, comment, que ça n'a pas rempli le manque qui est à l'intérieur de nous. Je parle d'un manque existentiel, hein, je ne parle pas du manque dû actuellement aux conditions de vie, mais ce manque existentiel, espèce de trou sans fond, où on met des choses comme ça, et en fait c'est jamais, c'est comblé provisoirement, puis après ça disparaît, et y a de nouveau l'envie comme ça qui apparaît, et c'est comment on dit maintenant, c'est contre-intuitif, voilà. Il me semble que c'est contre-intuitif parce que quand on donne quelque chose, en fait, il y a un contentement quand on donne. Et ce contentement, il est beaucoup plus stable, beaucoup plus paisible que le contentement d'avoir quelque chose. Il y a quelque chose dans le donner qui nous rend. C'est comme une grande respiration, c'est comme être en harmonie avec les choses. Je pensais, je voyage pas mal, et alors avec l'ordinateur, le fil, là, les vêtements, tout ça, souvent j'ai une valise qui est trop lourde pour moi, et dans les gares il y a beaucoup d'escaliers, tout ça, donc ça m'arrive, je me tourne vers quelqu'un avec un gros sourire, je dis excusez-moi, est-ce que vous pourriez descendre ou monter ma valise? Et dans 9 cas sur 10, les gens répondent oui avec un gros sourire aussi, ils en portent ma valise, ils me la redonnent, et ils ont quelque chose sur le visage d'avoir fait ce simple geste comme ça qui illumine leur visage. On sent qu'ils sont vraiment contents. Et je me dis, mais c'est ça. Et ça aussi, c'est une forme du don. On a donné à quelqu'un l'occasion de donner. Et la personne, elle est contente. Moi, je suis contente parce que je me vois content et puis que ma valise est arrivée en bas des marches. Mais il y a ce contentement partagé. Et voilà, donner l'occasion de donner, c'est une forme de don. Et moi, je propose pour cette semaine et plus, bien sûr, de voir toutes ces formes de dons, donner du temps à quelqu'un, donner un sourire, donner matériellement, bien sûr, et puis donner l'occasion de donner. Voilà, et c'est le cadeau du Vaisak, c'est le cadeau des trois trésors. Merci beaucoup et bonne semaine.